Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, pour un sujet on va dire délicat, mais qui a quand même une certaine importance dans l'histoire du football marocain et du football algérien. Et en l'occurrence, le sujet que je vais aborder c'est justement la rivalité sportive entre ces deux pays. Déjà on va pas se mentir, cette rivalité c'est quelque chose qu'on peut absolument pas nier. Et franchement, moi je suis tout à fait conscient qu'on n'est pas dans le pays de Franklin la Tortue, où il y a tout le monde qui est ami. Et c'est pour ça que dans cette vidéo justement, je vais pas dire aux Marocains de supporter l'Algérie comme si c'était leur propre pays, et vice versa. Donc il faut être réaliste, je pense que cette rivalité sportive elle existe vraiment, et pour moi ça sert absolument à rien de la nier. Par contre, je pense qu'elle doit vraiment avoir quelques limites pour rester justement au stade de la rivalité saine. Par exemple, si demain le Maroc gagne contre l'Algérie, mais je serai le premier à chambrer les Algériens. Tout comme depuis la dernière Coupe d'Afrique, c'est tout à fait normal qu'il y a certains Algériens qui chambrent les Marocains parce que eux ils ont gagné la CAN et que nous on est sortis en 8ème de finale contre le Bénin. Et là pour le coup, je pense qu'il faut tout à fait l'accepter parce que nous-mêmes on aurait fait la même chose. Par exemple, les semaines qui ont suivi après la victoire 4-0 du Maroc contre l'Algérie, mais j'ai pas arrêté de saouler mes potes algériens avec ça. Et là depuis 2019, avec la victoire de l'Algérie à la CAN, c'est sûr que la tendance elle s'est inversée, mais ça fait partie du football, c'est comme ça. Donc pour moi, le fait de se chambrer entre Marocains et Algériens, je trouve que c'est tout à fait normal, mais je pense aussi qu'il doit quand même y avoir un minimum de fair play et de respect surtout. Et pour le coup, moi il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, c'est cette haine qui est entre les Algériens et les Marocains sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette haine, moi-même je la subis, soit de la part d'Algériens qui m'insultent juste parce que je parle du football marocain, ou alors de la part de certains Marocains qui m'insultent de traître parce qu'il m'arrive de parler du football algérien. Mais pour ce qui est des insultes et des critiques que je reçois, je vais pas en parler dans cette vidéo. Ça pour le coup, si ça vous intéresse et si vous voulez que j'en fasse une vidéo à part entière, je vais vous demander de liker cette vidéo, comme ça je pourrai en juger si le sujet vous intéresse ou pas. Mais pour en revenir à cette rivalité entre Algériens et Marocains, on sait qu'elle vient en grande partie des raisons politiques. C'est pour ça que si un Marocain qui me dit par exemple qu'il a aucun problème contre les Algériens, mais qu'en parallèle il dit qu'il peut pas supporter l'équipe d'Algérie si par exemple elle joue contre le Burkina Faso ou contre la Côte d'Ivoire, personnellement je trouve que ça c'est encore quelque chose qui est compréhensible. Parce qu'à partir du moment où il respecte vraiment le peuple algérien, et que si par exemple il croise un Algérien dans la rue et qu'il le respecte vraiment, à aucun moment on peut lui reprocher de pas être derrière l'Algérie quand elle joue, c'est normal. Après je dis pas que c'est forcément mon cas, mais je dis juste que ça c'est quelque chose que je peux comprendre, comme dans le cas inverse bien sûr. Parce que bien sûr il y a déjà cette rivalité sportive comme on peut l'avoir par exemple entre les Français et les Belges. Mais en plus de ça, une rivalité politique. Et on va pas se mentir, une équipe nationale de football, ça représente toujours un pays. Et donc par extension, ça représente le gouvernement de ce pays-là. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut être réaliste. À partir du moment où il y a des tensions entre les deux pays, on peut tout à fait comprendre qu'un Marocain, il va pas gagner tous les matchs de l'Algérie avec un drapeau de l'équipe nationale algérienne. Même si c'est vrai qu'il y en a qui le font, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est tout à leur honneur. Après, je pense que ça aussi, il faut respecter. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui s'en foutent complètement de la politique. Pour eux, la politique, c'est pour leur gouvernement. Et ils s'en foutent complètement si leur pays il a un bout de terre en plus ou en moins. Mais pour le coup, là aussi, je dis pas que tout le monde doit être comme ça. Mais par contre, là où il y a absolument aucune négociation possible, et là où je pense que tout le monde doit agir de la même façon, que ce soit marocain ou algérien, c'est que même si on supporte pas l'équipe nationale adverse, il doit absolument y avoir un respect mutuel entre les deux peuples. Moi, je peux pas accepter qu'aujourd'hui, en 2021, qu'un marocain il déteste tous les Algériens juste parce qu'il y a des petites tensions entre leurs gouvernements, ou même que l'inverse, qu'un Algérien déteste tous les Marocains pour les mêmes raisons. Moi, je pense que par défaut, quand un marocain croise un Algérien, il doit y avoir un respect mutuel. Après, si quand on creuse un petit peu, les opinions politiques elles sont complètement différentes, là à ce moment-là, y a pas de problème, chacun part de son côté et c'est tout. Mais de toute façon, si je prends mon expérience personnelle, et je pense que ça va être la même chose pour la plupart d'entre vous, on peut se mentir, la plupart des Algériens qu'on a côtoyés, ils s'en foutent complètement du Sahara marocain. Franchement, ils ont plein d'autres choses à penser. Et encore une fois, là en 2021, je sais pas si vous imaginez le nombre de mariages qui se font chaque année entre des familles algériennes et des familles marocaines. Et franchement, vous avez déjà vu un couple qui a divorcé parce qu'il y en a un qui a reconnu l'indépendance du Sahara. À un moment donné, faut être réaliste. On sait très bien que la plupart des Algériens, ils s'en foutent complètement de ce Sahara. C'est pour ça que moi personnellement, je trouve que cette haine qui est entre Marocains et Algériens sur les réseaux sociaux, elle est vraiment exagérée. Et vraiment, le but de cette vidéo, c'était d'essayer de calmer un petit peu les choses à ma petite échelle. Il faut savoir justement que cette vidéo-là, c'est la 100ème où je parle du Maroc. Et je voulais vraiment profiter de cette 100ème pour en faire quelque chose d'utile. Après, je suis réaliste. Je sais bien que cette vidéo, elle fera pas beaucoup de vues. On sait très bien que sur YouTube, pour faire des vues, il faut parler de clash. Parce qu'on sait tous que le public aime bien l'odeur du sang. Mais justement, je voulais quand même profiter de cette vidéo pour essayer d'apaiser les tensions. En plus, on vient juste de passer l'Aïd. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour souhaiter un Aïd Mubarak à tous les Marocains, les Algériens, même les Tunisiens que j'oublie pas d'ailleurs, et tout le reste de la communauté musulmane. En attendant, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo un petit peu spéciale. Mais sur ce, je vous dis prenez soin de vous.